allons-nous faire pour traverser ? Nous pourrions utiliser le latex d'un EVA pour nous catapulter comme avec une fronde. Non, trop évident. Si seulement il y avait une guilde de trolls de pont ici. Je sais. Attendez-moi ici. Un rondin ? En quoi est-ce censé nous aider ? Bon, eh bien, ce n'est qu'un début. Pourquoi ne pas nous amuser un peu ? Allez, à vous. À moi ? Oui ! Allez dans la forêt et trouvez un objet. Un seul. Ensuite, revenez et ajoutez-le à notre petit projet. Puis, ce sera à moi. Oh ! Et si nous faisions une tyrolienne ? Ou un toboggan géant ? Très bien, à moi ! Vous savez trouver les mots pour me mettre à l'aise. Je te choisis. Juste ce qu'il fallait. À moi ! Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi ! C'était le bon choix, apparemment. Désolé. Oh, bon. Continuons à jouer. À moi ! Très bien, à moi. Ça. Désolé. Oh, bon. Continuons à jouer. À moi ! Faisons un essai. Toujours chercher l'aventure ! Oui ! Pour des amis, nous étions plutôt mal tombés. Comment allons-nous faire pour traverser ? Nous pourrions utiliser le latex d'un EVA pour nous catapulter comme avec une fronde. Non, trop évident. Si seulement il y avait une guilde de trolls de pont ici. Je sais. Attendez-moi ici. Un rondin ? En quoi est-ce censé nous aider ? Bon, eh bien, ce n'est qu'un début. Pourquoi ne pas nous amuser un peu ? Allez, à vous. À moi ? Oui ! Allez dans la forêt et trouvez un objet. Un seul. Ensuite, revenez et ajoutez-le à notre petit projet. Puis, ce sera à moi. Oh ! Et si nous faisions une tyrolienne ? Ou un toboggan géant ? Très bien, à moi ! Vous savez trouver les mots pour me mettre à l'aise. Je te choisis.
juste ce qu'il fallait. À moi! Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi! C'était le bon choix, apparemment. Juste ce qu'il fallait. À moi! Qu'est-ce que vous en dites? Très bien, à moi! Ce n'est pas encore ça. Faisons un essai. Toujours chercher l'aventure. Oui. Pour des amis, nous étions plutôt mal tombés. Comment allons-nous faire pour traverser? Nous pourrions utiliser le latex d'un EVA pour nous catapulter comme avec une fronde. Non. Trop évident. Si seulement il y avait une guilde de trolls de pont ici. Je sais. Attendez-moi ici. Un rondin? En quoi est-ce censé nous aider? Bon, eh bien, ce n'est qu'un début. Pourquoi ne pas nous amuser un peu? Allez, à vous. À moi? Oui. Allez dans la forêt et trouvez un objet. Un seul. Ensuite, revenez et ajoutez-le à notre petit projet. Puis, ce sera à moi. Oh, et si nous faisions une tyrolienne ou un toboggan géant? Très bien, à moi. Vous savez trouver les mots pour me mettre à l'aise. Je te choisis. Ce qu'il fallait. À moi! Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi! C'était le bon choix, apparemment. Juste ce qu'il fallait. Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi. Ça. Avez-vous trouvé votre objet? Je mettrai bien des pommes de pin. Je suis pas stupide. On ne s'en sert pas comme ça. Ce n'est pas encore ça. À moi! Qu'est-ce que vous en dites? Faisons un essai. Toujours chercher l'aventure! Oui! Pour des amis... Nous étions plutôt mal tombés. Comment allons-nous faire pour traverser? Nous pourrions utiliser le latex d'un EVA pour nous catapulter comme avec une fronde. Non,
trop évident. Si seulement il y avait une guilde de trolls de pont ici. Je sais. Attendez-moi ici. Un rondin ? En quoi est-ce censé nous aider ? Bon, eh bien, ce n'est qu'un début. Pourquoi ne pas nous amuser un peu ? Allez, à vous. À moi ? Oui ! Allez dans la forêt et trouvez un objet. Un seul. Ensuite, revenez et ajoutez-le à notre petit projet. Puis, ce sera à moi. Oh ! Et si nous faisions une tyrolienne ? Ou un toboggan géant ? Très bien, à moi ! Vous savez trouver les mots pour me mettre à l'aise. Je te choisis. Avez-vous trouvé votre objet? Je mettrai bien des pommes de pin. Juste ce qu'il fallait. À moi! Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi! C'était le bon choix, apparemment. Juste ce qu'il fallait. À moi! Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi! Ça devrait faire l'affaire. Ça! Juste ce qu'il fallait. À moi! Qu'est-ce que vous en dites? Faisons un essai. Toujours chercher l'aventure! Oui! Ça marche! Ça marche! Un bout de viande posé au hasard au milieu de la forêt. Nice, ne... Ce n'est pas accroché. On peut le prendre. Désolée. Pas fait exprès. Ah, je comprends. C'était appétissant. Princesse Madeline d'Avalon ? Oh oui, reine Madeline d'Avalon. Veuillez m'excuser. Oui, oui, j'ai pris du muscle, je sais. Pourriez-vous nous faire descendre? Merci à vous. Alors, pourquoi êtes-vous rentré à Avalon? Oh, c'est délicat. Oh, pardon, voici Nice. Nous sommes... Nous cherchons encore. Oui, nous ne sommes pas sûrs. Madeline est d'accord. J'avais compris. J'ai entendu certaines de ces histoires.
quand il a dansé pour les farfadets. Et quand il a mangé un champignon qui rapetisse. J'ai adoré l'histoire racontant comment il a libéré Bramble. J'aime toujours autant écouter ces histoires, mais nous devrions y aller. Reine Madeline d'Avalon, savez-vous où nous pourrions trouver le gland doré? Je ne peux pas expliquer pourquoi. Vous nous escorterez. Formidable. Vous avez raison. Il fait tout le temps ça. Une question comme ça. Quelles sont les deux qualités que vous chercheriez le plus, si vous cherchiez, chez un compagnon? Comme ça, je dirais l'affection et les bonnes relations avec sa famille. Sommes-nous réellement à l'opposé l'un de l'autre? J'ai choisi l'esprit et l'honnêteté, au passage. Peut-être avais-je mal choisi? Que dois-je comprendre? Vous devriez essayer avec ça. Thank you.
Superbe! Nous devons faire vite. Le sort devrait nous rappeler bientôt.
Quelle belle fin pour une belle aventure. Peut-être est-ce juste le début de l'aventure. Peut-être... bien. Agatha ajouta les bibelots que nous avions collectés dans le tonique de givre. Elle avait la famille dont elle avait toujours rêvé. Et rien n'allait l'arrêter, pas même le temps. Ce soir-là, nous étions impatients de voir si nos nouveaux sentiments allaient briser le sortilège. Je ne sais pas quoi dire. Je pensais que ça marcherait. Moi aussi. Ce n'est qu'un pauvre sort. Attendez, Nys, revenez. Je ne savais plus du tout quoi faire, ni même quoi dire. Et puis, soudain, j'entendis à l'extérieur... Hop, un, hop, trois. Tenez bon, mes chers jambières. Hé, hey, la tour, admire ma cape. N'est-elle pas magnifique quand elle est battue par le vent? Muet et terrifié. Mais Muet a appris à réprimer ses sentiments. Muet ? Roi Graham, es-tu prêt pour l'aventure ? Oh ! Voyez-vous ces biceps ? Tu es conforme à l'idéal de Muet. C'est gentil, mais un peu indécent. Eh bien, dis-moi, tu as fait installer une salle de musculation dans ton château ? Eh, oh, Muet, ça suffit. Pour une princesse, il n'y a pas que le physique qui compte. Une princesse ? C'est une longue histoire. As-tu gravi cette tour pour trouver l'amour de ta vie, toi aussi ? Comment ? Non ! Je suis ici pour te sauver ! Y a-t-il des dames ? On ne m'a pas informé de ce détail. Comment est ma crinière ? C'est gentil de ta part, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je m'en tire très bien tout seul, merci. Tu n'aurais pas une corde d'aventurier, par hasard ? Une corde d'aventurier ? Bon, eh bien, tu es bloqué ici avec nous. Attrape donc une chaise et essaie d'être discret. Les autres sont en train de dormir. Muet restera ! Muet ! J'expliquais à Muet la situation dans laquelle je m'étais fourré. Après m'avoir parlé de lui, il me donna des conseils idiots, tels que... Mais pourquoi ne pourrais-tu pas avoir deux reines ? Et... Es-tu sûr qu'elles ne connaissent pas Muet ? Finalement, il décréta que la meilleure chose à faire était d'écrire mes sentiments dans un petit poème romantique. Bien ! Allons-y ! D'abord, il me faut un verbe. Sentir. Un adjectif. Noble. Et un animal. Snut sauvage. Une partie du corps. C'est coquin. Oreille. Et ton fromage préféré. Cheddar. Voyons voir. Oui, ça devrait être bon. Tiens, voilà. Notre amour sent comme un noble snut sauvage. Et vos oreilles sont comme du cheddar. Signé Graham. Ce n'est pas franchement romantique. Il suffit de le retravailler un peu. Je te le laisse à toi de le modifier comme tu le sens. Merci. Oh, et un petit lapin a envoyé ça pour toi. Quelqu'un tient beaucoup à toi, on dirait. Merci.
Les lèvres de muet resteront muettes désormais. Même quand tu chuchotes, tu parles plus fort que quand tu t'exprimes normalement. C'est très exagéré de ta part de dire ça, et tu le sais. Silence, tu vas réveiller tout le monde. La voix de Muet ne réveillerait pas même un bébé. Quelqu'un approche. Muet devrait se cacher. Si les dames voient Muet, Graham n'aura plus aucune chance. Bonne idée. Muet se cachera sur le balcon. Non, attends, comment as-tu fait? Seul le grand amour permet de quitter cette tour. Muet est le grand amour de Muet. Ah, logique. Seul Muet est capable de s'aimer assez fort pour rompre le sortilège. Muet, te laisse t'occuper du reste, Graham. Bonne chance. Je t'écrirai.